Hey, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy pour la suite. Alors désolé pour ce petit retard, ce long retard pour la suite de Final Fantasy. J'ai fait une petite pause. On est arrivé à la partie 2 et j'ai fait une petite pause pour les fêtes de Noël. C'est sûr qu'on va pas finir le Let's Play avant fin décembre. Je le pense même pas. Mais il faut savoir que donc je vais quand même toutefois partir en formation et que du coup ça va être des épisodes un peu plus éparpillés dans le temps, mais vous inquiétez pas, je proposerai toujours mes let's play, mes vidéos, je ferai une petite vidéo dessus pour vous en parler. Hop, c'est parti, on reprend le train.列車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か?二人に聞いてみ?レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが。うん。帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に 神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いい。あ、足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ?人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。 夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに一日夜って。大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出て叱りだ。まあな、夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。 すごくない?この景色。ああ、マジでどうなってんだ?わけわかんねえな。 ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない?こんなの普通想像つく?ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくり。うっせー!
Chotto. Nande. Sore honki? Watta. Teme. Fuzakenna. Ansa. Nokto. Kasso. Aitsu.嘘だろ。顔怖いよ、ロクト。冗談だね。もうやめようよ。そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのは。冗談なんかじゃねえよ。もう、本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げらん。何が目的だ？ずっとうろうろしやがって。てめえのせいで。どういう意味？それ、俺のせいだって本気で言ってんの？ だって、俺に何の得があるんだよ。死ぬか。待ってよ、本当に頼むから、ちょっと話を。黙れ。ノクト、 Bon, le train s'est arrêté. On va voir ce qui se passe. Et on sait un petit peu d'où viennent ces plaines grâce un petit peu. À la place de chargement. Ouais, on fonce direct à l'arrière. Ah ouais, on se fait attaquer par la. Par l'Empire. Comme d'habitude, dit-on. Bon, on continue d'avancer comme il dit. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, ils sont tous dehors. On va pas les laisser faire, les amis. Alors, analysons tout ça. Alors, qu'est-ce à côté C'est parti. Allez hop, j'enchaîne. Alors lui, pareil, dague, c'est parti. Hop. Donc faut protéger le train avant qu'il le détruise. Bon, rien de plus simple. Lui aussi. Ensuite, là-bas. Voilà, petit combo. Bon, il se ramène encore. Bon, par contre, ils épargnent pas du tout notre pauvre train. Qui n'a rien demandé. Ok, lui aussi. Ok, c'est des sortes de kamikazes. Faut qu'on les arrête avant qu'ils touchent le train, en tout cas. Où ça, ils se sont relevés? Ok, nickel. Putain, les assassins élites. Franchement, c'est pas ma tasse de thé. Ok, hop. Les soldats, c'est les premiers à viser. Ok, hop. Il
Nickel. Nickel prompto. Pour une fois qu'il crève pas inutilement. Ok. Faut vraiment faire attention aux assassins élites. Les assassins élites, c'est vraiment les mecs qui nous font le plus de dégâts. Les spadasins sont pas top top. Voilà, vous voyez. Direct, on a du mal. Fais-nous un petit headshot, ma poule. Ok. Hop. Non! Oh putain, un tank! Un tank menace maintenant de tirer sur le train. Utilisez une équipe pour vous en approcher et le détruire. Le train subit trop de dégâts, vous perdez la partie. Allez hop, petit QTE! Ah, il repart direct le train. Ok, nice. Ah, je kiffe ce genre de scène, les amis. Je sais pas vous, mais c'est le genre de choses que j'adore. Ok, ils sont là. On va pas y aller de ma morte. Ok, hop. Un petit combat de train. Les essais, on peut attaquer de loin. Ok. Bon allez hop, on va se faire un petit peu les vaisseaux. Détruire 4 vaisseaux. Ok, nickel. Comment je vais faire là pour les détruire? Battre 4 vaisseaux en leur tirant dessus avec une tourelle ou en faisant exploser les soldats. Hop là, un à moins. Du coup, bah là, il n'y a pas de tourelle. Du coup, on va les exploser directement. Allez, faut que je me casse d'ici. Allez hop. Ok, raté ma parade mais... Allez, on met la bombe. Allez, nous on va se casser. Ok. Putain, allez, bouge. Nickel. Ah ouais, carrément. À ce Hardrin, je kiffe pas. Déjà, il menace un de mes collègues. Enfin, il menace Ronto d'une balle dans la tête. Déjà, c'est pas très plaisant. Et là, on se fait piéger. Oh la putain de merde qu'on a, quoi. イグリス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、
や、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは？帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。くそ、また来た。片付けてから行く。Ok les amis, donc on a perdu Prompto qui avait changé son corps, on sait pas comment, avec Ardrin, peut-être un coup de ce Ardrin encore. Et c'est parti, donc c'était pas Ardrin qui visait Prompto, c'était Prompto qui visait Ardrin, mais sauf qu'il y a eu un petit cafouillage au niveau de notre Noctis, et là on se retrouve sur le toit du truc, et on va se faire les petites gargouilles là. Je sais pas comment c'est cette bête soit là. Ok. Bon allez. On va se faire les petits. Bon, ça va pas le faire là. Ok, parade. Ah putain ça. Ah le calvaire. Hop. Nickel. Ok. Ça c'est fait. Ok, on fonce sur l'avant du train. Oh, par contre ces gargouilles, elles veulent vraiment pas qu'on avance. Sauf qu'elles savent pas que moi et Noctis, ça commence un peu à me fatiguer de se battre contre des choses inutiles en fait. Pour moi, ce début de phase 2, je sais pas pour vous, mais elle me déçoit un petit peu. C'est déjà par sa linéarité. Bon, il faut un peu de linéarité dans un jeu quand même pour mettre le scénario bien en place. Mais je trouve aussi que les combats sont un peu plus lents, que voilà, ça tourne vraiment autour de combats qui pourraient paraître un peu inutiles quoi. Mais bon, après, dans Final Fantasy, on a toujours eu des combats plus ou moins inutiles pour combler l'histoire, pour l'enrichir en quelque sorte. Après voilà, les gargouilles, je vois pas à quoi ça sert ici, c'est pas des ennemis qu'on a eu tout au long de l'histoire. Ok, alors lui. Alors lui, même pas du tout. Allez, gargouille, c'est survivre à traverser. Ok. What the hell? C'est quoi ça encore? C'est un peu de temps.
知りたきゃ見てけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があんでしょ。Alors les amis, regardez-moi ça. Je sais pas si on est vraiment encore arrivé à Tenebrea, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression d'arriver sur un champ de bataille. C'est un petit peu affligeant comme, comme décor, quoi. Comme l'annonce la quête, souvenir en fumée. En tout cas, Ariana n'est peut-être pas pour rien à ce champ de bataille.話を聞くに、この先は特に。そうね。じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが。動かせるやつがいるのか？うん。前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話で？列車、テートに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あ、そう？運転、頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけど。な。はあ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみろ。Donc on va parler à la dame, à la domestique de la maison des fleurs, de la maison fleurée. Par contre, je sais pas du tout où je suis, les amis. Du coup, je vais voir si avec la carte j'arrive à voir où on est. Donc, on est bien arrivé à Tenebrea, les amis. On est bien à Tenebrea, en fait. Donc, franchement, ça a bien changé, putain. Donc, on a Niphelem qui est là et Tenebrea, donc qui est cette petite zone ici. Et ouais, mais donc, c'est vraiment un champ de bataille. C'est franchement, vous avez rigolé, mais ceux qui ont regardé le film, enfin oui, Tenebrea, c'est plus ce que c'était dans les premières parties, premières minutes du film. Là c'est complètement, on dirait, un lieu ravagé, quoi. Il y a certes de l'eau, mais ça devient, c'est du plus marécageux, plus ténébreux. D'où peut-être son nom Tenebrea, mais on nous en parlait comme une cité, une ville, une région magnifique. Et oui, là, bah, ça n'a pas envie du tout. Bon, allons voir ce que veut cette dame. もしや、ノクティス様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは、こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家、次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？うん。何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも？
指輪をノクティス様へ。私の代わりにどうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。Ok, donc on a reçu plein d'informations assez utiles de cette domestique. Donc déjà on a appris que Ravus au final a peut-être un petit bon fond qui veut nous remettre du coup l'héritage, donc l'épée de... du père de Noctis, excusez-moi, j'étais à réfléchir à autre chose. Et donc il veut fournir cet héritage à Noctis. Alors, est-ce qu'il a vraiment un bon fond ou est-ce qu'il veut simplement piéger Noctis ? Ça, on le saura plus tard. Sachant que, rappelez-vous, il a été annoncé dans les radios et dans les journaux qu'on a pu lire dans le jeu qu'il a été condamné à la mort pour avoir échoué dans son rôle de commandant de la garde. Donc, capitaine de la garde. Donc, bon. Oui, on verra bien. Alors, j'allais le faire en anglais, mais je n'ai pas un accent anglais très très bien, très très bon. Du coup, c'est parti, on retourne dans le train pour repartir vers la capitale impériale. On est passé par Tenebria. Donc au final, franchement, la map est pas énorme. Il y a quasiment rien à faire ici. Peut-être qu'ici, on va peut-être un jour aller au palais. Je sais pas, est-ce qu'il y a la possibilité de le faire? En tout cas, moi, ici, j'ai pas grande possibilité, les amis. Ouais, j'ai pas la possibilité d'aller par là. Donc je sais pas. Est-ce que Tenebria restera une zone aussi fermée que ça? Ouais, j'espère pas, parce que ça restait quand même une belle cité. Noctis-sama wa Luna Freyna-sama to kekkon suru no iya datta? Luna Freyna-sama wa sugoku yorokondeta yo. Doresu ga todoita toki mo niko niko shite Noctis-sama no koto daisuki datta yo. Sou ka. Arigato na. Katsute Regisu wa 成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスもカンナギとしてではない大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。
Donc encore un autre flashback qui montre que Noctis commence à prendre compte de toute cette histoire. Avant de sombrer dans l'ensommeil, ses offrait un anneau mortel. Ces derniers disaient qu'il devait revenir à celui qui parmi eux possédait le plus grand pouvoir. C'est ainsi que l'anneau devint le symbole des rois légitimes. Ok. Donc Régis nous a laissé quelques petits héritages ici et là. Nous allons voir, on va continuer à avancer. On va reprendre le train. Vu qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Allons voir nos deux nouveaux camarades. Il y a le wagon restaurant. Ok, bon, j'en ai pas besoin. Allez, on repart sur Gralea. C'est parti. On a accumulé pas mal d'XP. Faudra que je... Bah non, pas besoin au final. J'allais dire, pour les accumuler, mais pas besoin. ご連絡しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に帝都へ向かってます。何かあったら差し上げします。外は雪だ。中も冷えてきたか。標準の亡骸が歩いていたな。亡骸じゃ刑事はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。帝都に入る覚悟もしねえとな。 Bon les amis, c'est reparti pour une petite preuve dans le train. Donc on va vers la vallée glacée de où on se retrouve Shiva. Shiva qui doit être la prochain titan ou je ne sais ce que c'est qui nous donnera peut-être sa grâce. Mais bon, d'après ce qu'on dit, elle est morte. Donc je vois pas ce qu'elle pourrait nous donner. Bon, le train a l'air d'avoir été réparé entièrement. Mais putain, il avait pourtant été très bien endommagé. Peut-être pas dans cette partie là au final, mais ça avait pas été épargné. Ouais, c'est ce genre de choses moi que je regarde dans un jeu vidéo. C'est ce qu'on peut regarder à travers la fenêtre. Et bah non, on peut pas. Il n'y a rien à travers la fenêtre. Je vois, il y a une sorte d'effet de flou glossien qui nous montre qu'on avance, peut-être dans un tunnel ou je ne sais. Mais bon, passer le temps jusqu'à l'arrivée, d'accord. Donc l'arrivée. C'est long quoi. Donc on arrive sur le territoire de Niphelem. Et putain, je pensais pas que Niphelem c'était un territoire aussi glacial. J'ai en plus dit que c'était une petite terre tranquille. Sans trop de ressources. Ah là on commence à voir des trucs, tu vois. Ça c'est cool. Je pense qu'on était dans un tunnel juste avant. Donc c'est pas mal. Bon, je fouille un peu, sait-on jamais, on va peut-être trouver un truc qui brille, mais pour l'instant il n'y a rien de particulier. Ok, là c'est... Ah si, on peut avancer par là. Ah c'est comme je dis, ce niveau manque en fait un petit peu de... Il y a une certaine linéarité en fait, tu restes cloîtré dans un train, quand c'est pas dans le train t'as les petits combats un petit peu sympathique. Bon voilà, pour l'instant je suis mitigé sur cette deuxième partie du jeu. Ouh, notre galère est stationnée juste ici. Notre petite voiture est venue avec nous, donc ça veut dire qu'on aura peut-être le droit de la conduire dans cette zone. Ou peut-être pas. C'était juste pour faire beau. Ouais, ok, là c'est la porte de sortie. Bon, du coup, on va retourner voir Gladio et Inis. Qui doivent être au même endroit. Oh, deux mois.
ああ、どうした？そうか、わかった。Oula, on sait pas ce qui s'est passé, mais nous allons voir ça. また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。Moi je pense pas. Moi je sens le gros combat arriver là. Un bon gros combat. C'est sûr qu'il se le cas les gars, vous aurez dû prendre un manteau hein. Bon, yari shite to shinu na. Kyo jin no eikyou nano ka. Tabun. Mieru. Hidai dashi na. Kyo jin no nakigara da. Sami na. Éliminer les Daiman. Oula. Alors ok, les Shnaga. Qu'est-ce que c'est les Shnaga? Ok. Ok, bon. Amusons-nous. Amusons-nous à se les... Ok, nickel. Oula, un spectre alors. On va essayer de l'analyser. Bon, faut vraiment que je booste cette analyse à fond. Vous avez vu le temps que ça prend. Ça devient de plus en plus ridicule. Un jour, on va rester 10 minutes sur un monstre pour savoir c'est quoi son point faible. Surtout que la jauge de stratégie n'est pas du tout en accord avec ce genre de d'analyse en fait. Donc du coup, tu peux analyser, tu peux prendre ton temps en fait. Donc il est sensible à ça. Attends, il est sensible à la glace aussi. Attention. Ouh, petit combo d'attaque dans le dos. Ça c'est beau. Un petit combo éclipse. Nice. Et là, le spectre, il va se coucher. Ou pas en fait, je parle peut-être un peu trop vite. Ok. Le Shnaga. Les Shnaga. On va se les faire. Ok, hop. Et on va se faire le spectre juste après. Ouh, pas mal. Pas mal d'acidité. Pas mal d'acidité, l'attaque de la nouvelle attaque de Inis. C'est vraiment intéressant du coup. Ok, on va se refaire une acidité. Voilà, en fait il envoie l'attaque le point faible du spectre directement. Donc une méga potion, je crois que j'utiliserai une méga potion ma Paul. Super Alexia. C'est trois fois mieux. Nickel, on passe à l'autre. Ok les gars, on perd un peu de constitution, un peu de force, mais c'est pas un problème. Inis et ses sorts gratuits, ça va nous aider. Ok, hop, et là, boum, attaque éclipse, liaison, allez hop, t'enchaînes. Il ne pourra plus rien faire. Nickel. Vaincre la griffe funeste.
Alors lui, il est pas méchant. Il est très gentil. On le voit à son aura très noirâtre. Allez, finis ton analyse, Noct. Et après, on va enchaîner sur cette petite bête qui a l'air très douce. Nickel. Alors lui, il est insensible un peu à pas tout. Bah écoutez, on va prendre les assassins qui font pas mal de dégâts. Non, la lame de Breanart. Ça, c'est parti. Trop rapide. Ok, faut qu'on fasse quelque chose avec Inis là. Allez, fais-moi. Ouh là 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 là. Il va faire mal lui. Je sens bien qu'il va faire bien mal. Ok, on enchaîne. Ok, j'enchaîne avec les lames sacrées. Vas-y. Ok, Nice, il peut pas trop bouger. Gladius non plus. Allez, Nice, fais-nous plaisir. Gladius, un petit tourbillon. Ok. Ensuite, une petite queue de phoenix sur Inis. Allez, hop, mon pote, vas-y, relève-toi. Gladio, tourbillon. Allez hop. Allez, une petite acidité élémentaire, un petit feu. Putain, c'est chaud là. Acidité mortelle, allez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Équipement Noctis. Sort. Extra feu. Allez hop, on enchaîne. En plus de mon feu. Allez. Merde, touché. Noctis. Claudius. C'est parti. Et là, allez. C'est fini. Ah, moi, c'est bon, je le finis là.
Allez. Nickel. Fou. Alors, je sais pas si c'était un boss. En tout cas, vu la musique, je pense que oui. Et c'était bien difficile. Hey, Nocto! Nusa! Nakano yosuga okashi! Hayaku koi! Nakata! Ikuzo, Ignis! Oh! Oi, mate! さすがの冷たさだ。殺された時のそんな綺麗な顔だった。 カンナギとの古き約束。ケンティアの、あんたが。ノクティス、世界に光を。 ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただ、 ノクト。ああ、無事か。ああ、標人が来てた。うん、まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。
やっぱ辛かったのかよ。聞いてやれなくてごめん。Et les amis, on va s'arrêter sur cette douce musique pour cet épisode. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo. On se retrouve rapidement pour la suite. Et en tout cas, l'histoire commence à se resserrer. On commence à avoir des réponses un peu sur tout. Et j'espère que la suite va être encore meilleure.